Merci. Ok, merci. Soulevez ma Bible donc. Tu sais, petit frère, si un jour vous avez un petit problème, t'as pas besoin de même un petit blasphème. Deux petites paroles en l'air, pas besoin de coup de poing, même pas de revolver, juste la mise au point. Et redescends dans cette douceur profondeur que le ventre de ta mère, où jamais tu ne t'abîmes. Mais dites là-dessus, là, prends la joie là-dedans. Sublimabé. Ça, même si la pluie de temps en temps tombe sur ma vie, sur ta vie, même si l'on n'a pas de parapluie, sache qu'un jour viendra l'éclaircie. Même si la vie un peu plus chaque jour après jour, me joue les tours et les contours, un peu plus chaque jour après jour, je combats, je me baisse les bras, afin de retrouver la surface et faire face. Un peu plus chaque jour après jour, je cours, afin d'éviter les contours et les détours. Je n'appelle au secours, je ne lance aucun SOS. Je ne suis même pas en détresse, et plus rien ne me blesse. Oui, mais pour tout cela, il a fallu que je redescende dans cette douceur profondeur, qui est le ventre de ma mère, où jamais je ne m'abîme. Mais dites-la si, la point laser là-dedans. Et j'ai appris à maîtriser la faiblesse, la maladresse. J'ai revisité la sagesse, je respire. Donc, je suis, me suis inspiré de ce philosophe qui a dit, ce sang. Non. Je respire, donc je suis. Je sais que je peux donner des couleurs à ma vie belle, belle. Des couleurs à ma vie, belle, il n'y aura pas d'erreur. Bien plus belle que celle de l'arc-en-ciel, ça, même si la pluie de temps en temps tombe sur ma vie, sur ta vie. Même si l'on n'a pas de parapluie. Mais dites-la si, la pointe laser, donc ça veut dire que le problème, les problèmes, ça peut se résoudre par la réflexion. Alors, à tous, méditez. Ok. Yes! Je m'excuse. Hein. Je reviens un petit instant et pour vous annoncer peut-être que ça se fera un jour ou l'autre. Je ne pouvais pas vous cacher ça plus longtemps. Je suis papa d'un garçon que vous connaissez tellement pas mal d'entre vous. Et qu'un jour il viendra ici, on reviendra ici. En passant, il avait chanté une chanson qui disait Imagine-toi les pieds, machin, Madagascar. Et les gens, certaines personnes ont pensé que c'était dénigrer Madagascar. Pas du tout. C'était, on regarde, on voit, on amène la vérité dans le monde entier pour qu'on puisse avancer. Ok. Imagine-toi Madagascar, pour l'avenir de demain. Hein? C'est dans vos mains à vous, les jeunes. Ok. Ne vous laissez pas, comme on dit, duper. Monsieur, juste. Juste. Moi, je m'appelle Barot, je suis humoriste malgache et tout ça vous intéresse. Il s'agit de Blabou ou de Soprano? Non, Soprano, les comédiens. Moi je suis pas, mais je suis pas haut là. Hein. Non mais de son prénom, Appela, comme nom de famille A2PLA, prénom Carl Junior. Moi je suis Appela Carl Camille. Yes!